Fatigué de l'UDPS, il faut le quitter calmement. C'est lui qui parle.
Ce n'est pas parce que vous êtes à l'UDPS que ce parti vous appartient. Il appartient au peuple congolais. Nous attendons un autre parti pour faire l'équilibre du pays. Et le silence du président Sepalais a fait beaucoup de spéculations. Il y a quelques jours, le président m'invitait ici en Belgique. Et dès que j'arrive, le premier jour, le jeudi, je l'ai rencontré pour lui présenter mes civilités. Nous sommes assis au salon. Et vraiment, c'est comme une blague. Félix se dit, bon, mettez-vous, je vous tire une photo. Et cette photo a fait le tour du monde. Et cette photo, d'après les échos que j'ai reçus du pays, a résolu beaucoup de problèmes. C'est vous dire que j'ai raisonné. Si j'ai parlé de ce professeur, parce que je me suis dit, finalement, lui connaît le président, il connaît l'UDPS, et que la puissance de l'UDPS peut-être nous dépasse tous. Et tous les jours qui passent, même les gens qui sont avec Kabila, ne comptent que sur l'UDPS. C'est terrible. Et c'est pourquoi j'invite tous les amis qui continuent à se battre aux côtés de ces grands hommes, de réfléchir. Et parce que, en fait, ce sont des sacrifices qu'il faut faire. Et nous avons pris cet engagement de la compagnie. Et Dieu seul sait. Aujourd'hui, il est debout parce que il y a notre chargé de communication qui me disait cet après-midi, monsieur le secrétaire général, il fallait être ici à Kinshasa parce que vous avez raté le prêtre qui a dit la messe, a prononcé des termes très graves pour le président. Il fallait écouter. Ça nous encourage tous. Et donc, nous devons être conscients du travail que nous faisons et parce que nous devons savoir pour qui nous travaillons pour le peuple congolais, mais qui est devant nous, c'est un homme extraordinaire. Et nous ne sommes pas là, nous devons être là pour l'accompagner, l'aider et non pour le déranger. Parce que généralement, c'est comme si nous venons pour les déranger, pour déranger le programme. Monsieur le Président, je ne voudrais pas continuer à dire, je voudrais seulement, pour clôturer, à dire qu'au nom de ces grands partis, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, que vous avez bâti de votre intelligence et de votre main, vous souhaite bon anniversaire. Et je remercie
toute la famille du président et tous les combattants qui ont répondu à ce rendez-vous d'aujourd'hui. Encore une fois, merci. Merci beaucoup.
Le président vient de nous souhaiter longue vie, plein de bonnes choses.